Bienvenue au cœur de mes petites nouvelles. Aujourd'hui, voici l'histoire de Madame Chang, concierge Square Montmartre, Paris. Elle loge dans un appartement au rez-de-chaussée gauche en entrant. Une étrange petite ombre que l'on ne voit jamais. C'est bien celle de Madame Chang. Elle attire tous les chats du quartier, surtout la nuit. D'ailleurs, elle ne sort que la nuit. Et la nuit, tous les chats sont gris. Elle nettoie l'escalier, les couloirs, la vieille rampe d'escalier dorée, enfin plutôt cuivrée par le temps, par l'usure. Et puis elle distribue le courrier de la veille aux locataires que le lendemain. Avec sa petite lampe électrique, rafistolée avec du scotch. Le jour, elle est comme les chauves-souris, c'est-à-dire invisible à l'œil nu. Elle n'aime que les chats et encore que les gros, pas les maigres. Elle déteste les gens et le reste en général. Elle s'est construit sa petite vie, pas florissante, et approche les 60-80, difficile à dire. Il n'est pas facile de lui donner un âge. Pour l'apercevoir, il faut être rusé, vivre la nuit, ou bien avoir de la chance de l'apercevoir, apercevoir sa silhouette derrière la porte vitrée de son logis. Une vague silhouette brumeuse cachée derrière un épais voilage décoré, ou je dirais décoloré. Ce matin-là, quelqu'un frappe à sa porte et insiste lourdement. Il s'agit d'une jeune femme accompagnée de ses deux enfants, deux petits garçons un peu turbulents à vrai dire. Pour une fois, Madame Chang daigne ouvrir le petit fenestron et lance d'un air peu aimable « Que voulez-vous ?» La jeune femme se prénomme Louise. Elle répond « Oh madame, je vous en prie, pourriez-vous me rendre un petit service ? J'ai un rendez-vous pour un entretien d'embauche à 10h. Je suis seule et je n'ai personne qui puisse garder mes enfants. C'est l'affaire de 2 heures, tout au plus, je vous en prie. » « Certainement pas, rétorque Madame Chang. En plus, avec mes chats, c'est hors de question. Et puis, je déteste les mioches, alors n'insistez pas, c'est non. » Décontenancé par cette réponse acerbe, mais ne voulant pas baisser les bras ni faire paraître sa surprise, Louise lance « Mes mioches, comme vous dites ?» Eh bien, mes mioches, ils vous donnent un sacré coup de main, hein, tous les matins, en descendant l'escalier à califourchon sur la rampe. Et elle brille, cette rampe. On dirait de l'or, enfin, presque. Comme ça, vous n'avez jamais à la nettoyer, cette rampe, hein? Allons, s'il vous plaît, un petit effort. Si vous acceptez, je vous ramènerai de la pâtée pour vos chats. Non, c'est non! Il faut vous parler en chinois, que vous compreniez que c'est non, non, c'est non. En chinois? D'accord, pas de problème. Vous parlez le chinois? Enfin, je veux dire le mandarin? Oui, pour mon travail, répond Louise, ravie de l'effet provoqué par sa réponse sur la concierge. Quelques instants plus tard, Madame Chang ouvre sa porte. Et tout en grommelant quelques mots, prend les deux enfants par la main et claque la porte au nez de Louise. Allez donc à votre rendez-vous. Je vous les garde, vos mioches. Mais vous ne me prenez plus par les sentiments, hein, pour une autre fois, en parlant de mon pays et de ma langue natale. Vous ne m'aurez pas deux fois. Oh, mille merci, Madame Chang. À tout à l'heure. À l'intérieur du logis de la concierge, les deux garçons n'en croient pas leurs yeux. Et dire que tout l'immeuble prétendait que l'appartement de Madame Chang était un vrai dépotoir, où elle vivait avec ses chats qui urinaient et leurs poils un peu partout. Incroyable, c'est tout le contraire de ce que les mauvaises langues prétendaient. Les enfants découvrent alors un intérieur décoré, propre, soigné. C'est un petit appartement de 30 mètres carrés, tout au plus, dans lequel le soleil n'arrive même pas à pénétrer par ses rayons, mais où des dizaines de petites lanternes illuminent l'ensemble. Madame Chang ne dit rien.
Le visage fermé, elle fait signe aux deux garçons de s'asseoir sur le canapé jaune au velours défraîchi. Et surtout, hors de question de toucher à ces chats. Ces derniers, tels des petits bouddhas bien dodus, fixent les enfants avec leurs énormes yeux jaunes, presque fluorescents. Les garçons s'assoient sans broncher. Et du haut de ses 4 ans, le petit Étienne dit « Madame, c'est beau chez toi. Tu veux des petits gâteaux? C'est ma maman qui les a faits. Elle m'a dit de te les offrir. » Madame Chang hésite. Elle repense à ses enfants et à sa famille anéantie. Un jour a réussi à quitter son pays. Réfugiée en France et sans papier, un propriétaire peu scrupuleux l'a hébergée et l'a placée comme une concierge dans un vieil immeuble avec l'interdiction de voir personne et de laisser portes et volets fermés. La mine impassible, Madame Chang finit par prendre un gâteau. Les enfants se mettent à faire des grimaces et à chercher des noix au chat. Oh ! Madame Chang dit « Ça suffit, arrêtez de faire les clowns et de toucher mon chat !» En cœur, Étienne et Jeannot, les deux petits garçons, disent « On dit dans l'immeuble que vous êtes méchante, mais nous on n'y croit pas !» Étienne de rejeter « D'ailleurs, quand on aime les animaux, pourquoi on n'aime pas les gens, madame ?»« Bon, assez rigolé, ça suffit maintenant, ce n'est pas vous qui allez juger ma vie !» Et de me dire ce que je dois faire, c'est un comble tout de même. Pas du tout impressionnés, les enfants rient de plus belle. Et l'espace d'un instant, comme par magie, Madame Chang esquive un sourire et sa mâchoire reste coincée. Étienne dit « Oh, mais vous souriez, madame. Mais si, regardez-vous dans la glace, dans l'entrée, et vous verrez comme vous êtes belle, madame, quand vous souriez. » Vous n'êtes que deux gardements. Vous m'avez bien eu. Remarquez, c'est vrai que le sourire me va bien. Au fait, il reste quelques gâteaux. Alors, laissez-moi vous préparer un bon chocolat pour les accompagner. Et surtout, arrêtez de me juger d'après les ragots que l'on dit sur moi dans l'immeuble. Comme convenu, Louise finit par revenir après un entretien très positif et frappe à la porte gauche, entrée droit au rez-de-chaussée. Surpris, les enfants de Madame Chang s'écrient « Ah, mais déjà !» Les enfants retrouvent leur mère et sur le perron, Madame Chang s'écrie dans un élan de cœur « Vous savez, pour vos enfants, c'est quand vous voulez maintenant !» Dès le lendemain matin, Madame Chang ouvre ses volets, sa porte, pour laisser entrer la lumière et se met à parler et à rendre de petits services aux habitants de l'immeuble. C'est un vrai miracle. Elle n'attend d'ailleurs plus la nuit pour distribuer le courrier dans les boîtes aux lettres. De son côté, Louise fera vraiment tout, tout en son pouvoir pour soutenir Madame Chang et l'aider à régulariser sa situation. Celle-ci, d'ailleurs, retrouvera des papiers quelques semaines, peut-être quelques mois plus tard, je ne sais pas. Elle avait su ouvrir son cœur aux autres. Le vieil immeuble, Square Montmartre, vient de s'éclairer d'un tendre et majestueux soleil avec le merveilleux sourire, celui de Madame Chang. En conclusion, le sourire d'un enfant est un cadeau du ciel qui peut réveiller même les cœurs les plus durs. Bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.